Salut tout le monde, c'est Nono et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau bras de fer. Alors aujourd'hui le bras de fer, donc faut faire son propre deck, mais le deck a certaines conditions. Donc en gros, de ce que dit le bras de fer, pour tester ses talents de créateur de deck, ce qui n'est pas le cas pour moi, parce que sûrement pour ceux qui jouent très bien Hearthstone, qui savent créer des decks de pété, de malade, de ouf. Eh ben moi c'est de la merde, hein, donc on va voir ce que ça donne. Mais du coup, les conditions, c'est que les sorts que je mets dans mon deck doivent avoir un coût de mana pair, et les créatures que je mets dans mon deck doivent avoir une attaque impair. Bon, en gros, ça réduit énormément le nombre de cartes, donc moi j'ai pris mage comme j'adore mage, mais du coup ça me réduit énormément le nombre de sorts, donc là j'ai vraiment pas grand chose, et j'ai énormément de créatures, mais c'est un peu du tout et n'importe quoi, hein, parce que je suis nulle à la création de deck. Si je suis une merde, quoi. Donc sur ce, on va partir sur le bras de fer, et on va voir ce que ça donne. En espérant que ça se passe bien ou pas, ou si comme je suis une putain de grosse merde de chiasse, je vais perdre à chaque fois. On verra bien, hein. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. Cet avenir, cette pute d'avenir, n'est-ce pas? Moi, je crois. Alors, adversaire condamné. Un paladin. La personne qui est en face de moi a sûrement fait un meilleur deck. Hein. Je vais sûrement perdre. Ou alors, c'est vraiment le genre de personne qui sait pas jouer, qui sait pas faire des decks, mais qui gagne juste par gros coup de chat, tu vois. Alors, c'est parti. On va enlever ça. Cool, j'ai deux créatures à un coup de mana. Donc pour l'instant, j'ai au moins quelque chose sur le board avant de commencer. Donc c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal pour le moment. Alors, est-ce que... Oh merde. Okay. Bon. Va-t-il avoir quelque chose à mettre autour 1? Ce mec joue à Overwatch, il a les dos de cartes Overwatch, donc on sait que c'est un joueur de Overwatch. Je me répète beaucoup, je suis une mamie. Oui, si je fais pas fin de tour, ça va être compliqué hein, pour qu'il joue. Je suis conne. Bon. Je me demande, sérieusement, je suis en train de me demander si c'est un bon joueur d'Overwatch. Bah, je vais envoyer un message après. Oui, salut, je te contacte parce que j'ai envie de savoir si en fait tu joues bien Overwatch. Voilà, je raconte un peu ma vie. Parce que j'aime bien raconter ma vie. Voilà. Est-ce qu'il pète cela? Oui! Est-ce qu'il va y avoir des chauves-souris qui vont sortir? Oui! Enfin, c'est pas des chauves-souris, c'est des dragons, on s'en fout, c'est la même chose, ça a des ailes, ça vole. Encore un! Mais putain, qu'est-ce qu'on est chanceux! What the fuck? Pourquoi il a autant d'attaques alors qu'il a pas d'autres murlocs? Que ton jus de médecin là, incroyable! Enculard! Et le marteau va le faire couler! Ouais, non, j'y arrive pas. Attends, ouais, je crois que c'est comme ça. Non. Si, paf! Il est cool. Oh putain, bâtard. Est-ce que tu vas avoir un autre marteau? Parce que j'ai un deuxième escargot. Je te pèse. J'hésite à quand même le paf d'un coup. Oh, on va le paf d'un coup, hein. On ne sait jamais, peut-être qu'il a un autre marteau. Alors je reviens tout de suite parce que le chat il fait un peu le bordel, donc je vais le sortir de la pièce, je reviens. Allez, go. Mais t'es vraiment fait. Allez, ça. Mais non, mais c'est Mego. Bon, attends, je te laisse occuper du chat. T'as fait une vidéo là? Bah oui, le chat il gratte à la porte. Ah d'accord, vas-y Mego. Bon, voilà, l'histoire du chat est réglée, la porte est ouverte. Oh merde, du coup j'ai pas vu, il a explosé toutes mes créates. Ah, il avait un autre marteau. Il a... D'accord, ok. Très bien, bah on va faire ça. Et voilà. Et après, on pourra faire ça. Et du coup, ça fera deux créatures d'un coup. C'est trop la fête.
Pardon. Et si je fais ça, normalement, ça le fait remonter une lunette. Et paf, dans ta gueule. C'est un voyeur. Je le connais, il s'appelle Michel. Jackie Michel. Pour être libre. On connaît bien, on connaît bien. Oh mon dieu. Ouais, bon, ça va. Il a pas de dragon. Ça lui fait piocher une carte, quoi. Les sorts doivent être sorts coûter ça le plus. Mais bien sûr que je pose ça, mais bien sûr. Oh, mais bien sûr. Bien sûr. Je vais faire ça pour le geler et au tour d'après, je vais faire ça pour baiser. Oh non, merde, c'est vrai, la provocation. Oh, je suis trop con. Et bon, on va attendre le tour d'après. C'est sûrement une mauvaise idée ce que je viens de faire. Et est-ce qu'on peut le faire retourner au fond de l'eau? Paf! Et après, qu'est-ce que ça fait remonter? Oh putain! Oh putain! Paf! Paf! Si je mets 6, bah il meurt. Oui, il fait poisse, il meurt. Oh, il invoque un stégosaure. Est-ce que le stégosaure a provocation? Oh, je sais pas. Vas-y, on le fait. Oh mon dieu, il avait provocation. Oh ma pankanga. Fends-toi. Parce que... il va sûrement taper là, mais je pourrais peut-être le défoncer après. Oh putain. Oh non, je murloc. Oh my god, c'est un paladin murloc. Je déteste tellement ce deck. Paladin murloc, c'est trop pété. Et pourtant, quand j'ai démarré le jeu, ils montraient les cartes qui ont été nerfs. Et en l'occurrence, il y avait une carte de murloc qui a été nerf. Mais ils devraient toutes les nerfs en fait. C'est beaucoup trop pété comme carte. Enfin, comme deck en général. Mais regardez-moi ça. Mais putain, je vais te défoncer dans une rue sombre avec un marteau comme celui-ci. Comme ça, ça va bien mal. Et ben, on va remettre une provocation. On va taper ça avec ça. On va où? Je me le demande. On va... Je suis foutu de ma vie. On va défoncer lui. On va taper un là. Et je vais quand même lui mettre 5 dans la gueule. Voilà. Un coup dans la gueule et tu sentiras moins le marteau passer dans ton cul. Quand t'as mal ailleurs, t'as pas mal à l'autre bout. Logique. C'est logique, c'est logique, c'est scientifique. Oh, putain. Allez. Tue tes murlocs. Mais arrête, enculé. Tu me fais chier. Bon. T'as fini. Arrête avec tes murlocs. Putain, mais c'est... Ma! Il m'exaspère, putain. Mais c'est trop pété, mais... Putain, je devrais mourir, là, ça me saoule. Tout le monde, là, paf. Paf. Mais voilà, j'ai plus de... Ah si, pardon. Ça va. Taisez-vous. Taisez-vous. Qu'est-ce que c'est? La fin de votre tour plus... Bah oui, j'ai pas de méca. Bah oui, c'est intelligent, bravo. Putain, je vais perdre. Fais chier. Triste vie. Non, je rigole. Est-ce qu'on peut arrêter de le faire dégueuler? Je ne crois pas. Putain, mais c'est quoi ça? Râle d'agonie? Putain. Oh
fucking god. La chance pour qu'il puisse invoquer, enfin ramener ça là, c'est quoi ce bordel? Putain! Bah je vais piocher une carte, j'aurais plus de crainte, je vais piocher une carte, c'est pas grave. Je vais lui mettre dans la gueule, parce que de toute façon, tous ces trucs vont crever après. Fin de tour, paf, tout le monde crève. J'ai gagné! Je crois. Oui, j'ai gagné! Putain! J'ai au moins gagné à quelque chose, c'est déjà ça. Est-ce qu'on peut refermer ces putains d'œufs là? Ça fait des trous de balles. Non, on peut pas. Retournez chez vous. Quand vous invoquez un serviteur, j'ai pas le temps de lire. Un PV lui donne bouclier divin. Très bien. Ça m'emmerde. Tac. Tac. Oh ouais, mais. Je suis saoulée de ma vie. Paf. Il fait quoi lui déjà? Ah bah oui, bien. Logique. Deck Murloc. Cul. Putain. Bah oui, bien sûr, hein. Oh là là, mais c'est bon, t'as fini là? Si j'ai rien après, c'est mort. Hein. Je suis foutu. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Vu tout ce qu'il ramène là, cet enculé de merde. Bon bah, j'ai perdu. Hein. Je vous le dis tout de suite. C'est foutu. Alors, voilà. C'était bien sympathique. Je sais pas trop quoi dire là. Puis t'as vu là, mais putain. Oh, si je l'avais en face, je te démontre sa gueule. Paf! Coup dans le nez. Tu ressembles plus à rien. Ta mère elle te connaît plus. Mais qui suis? Ah bah oui. Oh putain. J'ai tellement la haine envers les decks Murloc. Faut savoir que Alès joue deck Murloc et qu'à chaque fois qu'on s'amuse à faire des duels, il prend deck Murloc et genre sur peut-être 10 parties, il doit y en avoir 2 que je gagne parce qu'il a pas de bonne sortie quoi. Mais je hais ce deck et moi je peux pas le faire. Donc je peux pas assouvir ma... Le fait que ma rage en fait envers ce deck en pouvant le jouer pour faire chier d'autres personnes, bah non, parce que j'ai pas ce qu'il faut. Hein? Donc voilà, j'ai perdu. Sur ce, bah j'ai perdu. Donc je crois pas que j'ai des boosters d'avance. Non, je n'en ai pas. Donc peut-être une prochaine fois, hein, je gagnerai en espérant que ce soit pas un bras de fer où faut construire son deck. Parce que, comme vous pouvez le voir, non, ça marche pas avec moi, c'est pas possible. Donc du coup, bah je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau... pour un nouveau bras de fer Hearthstone. Je pensais à autre chose, excusez-moi. Pour un nouveau bras de fer Hearthstone, vous pouvez vous abonner à la page Facebook, page Twitter, vous abonner à notre chaîne aussi, ça nous ferait trop plaisir, nous rejoindre notre petite communauté familiale, rejoindre notre famille tout simplement. Voilà, j'ai envie de dire, je vais faire un programme d'ailleurs par rapport à cette famille, enfin bref, là je m'égare, mais abonnez-vous, faites-nous plein de bisous, on vous fait plein de bisous également, et je vous dis à la semaine prochaine, et des bisous.